Paralysé en période de confinement, faute de visites en présentiel, le marché de l'immobilier a viré au virtuel. Avec une clientèle étrangère prête à prendre des risques, les demandes d'achat sont facilement passées de 2 par semaine à 10 par jour, selon ce professionnel, même si les ventes n'aboutissent pas toujours. Je dirais que sur une centaine de demandes que j'ai dû avoir, il y a peut-être 1%, une personne qui fait le pas d'aller plus loin. Ce qui est intéressant de dire, c'est que ces gens-là, il y en a certains qui sont très audacieux, où on s'est trouvé à faire des ventes avec des visites virtuelles. C'est-à-dire que les gens ne sont pas venus ici. Ils sont toujours pas venus ici. Ils sont déjà propriétaires. Au plan local, les demandes sont importantes, notamment à l'achat, mais entre problèmes fonciers et croissance démographique, l'offre de logements reste faible, d'où des prix à la hausse. Il y a un gros manque de logements sur le territoire. Donc il y a toujours le parc qui n'a pas évolué aussi rapidement que la population grandissante. Donc on a toujours une demande d'immobilier. Vous pouvez voir, les gens qui veulent se louer, qui veulent louer, ont du mal à trouver location. Et les gens qui veulent acheter des biens immobiliers ont du mal à trouver. Ce jeune couple de résidents cherche un bien à acheter. La cuisine était refaite à neuf il y a 3 ans. Il visite un appartement à Pamataï, prix de départ 69 millions de francs, abaissé à 59 millions. Après plusieurs essais, le produit semble séduire. Alors, il y a certains produits qui sont très chers, mais celui-ci, le prix est pour moi honnête par rapport à la prestation. Donc ça vaut le coup de la visite en tout cas. Et je pense qu'il faut être assez rapide aussi et réactif parce qu'il y a peu de produits sur le marché, beaucoup de demandes. Donc quand quelque chose nous plaît, je pense qu'il faut quand même pouvoir se décider rapidement, c'est important. Moins d'offres, plus de demandes et des prix historiquement élevés. Le marché est tendu et la crise aidant, les banques examinent les financements à la loupe. On n'est pas passé du simple au triple en l'espace de 5 minutes. Hein. C'était une ascension un petit peu constante sur les 5-6 dernières années qui se sont découlées. A priori, on pourrait dire qu'on est sur un plateau, parce qu'après, fatalement, derrière, il faut pouvoir financer les opérations. Et derrière, le banquier pourra ou suivra peut-être un petit peu moins en fonction de la conjoncture économique. Donc il y aura peut-être cette variable d'ajustement intégrée, en tout cas dans le paysage des valeurs. Le marché à la vente est donc aujourd'hui plus intéressant qu'à l'achat. La tendance s'inverse quant à la location qui voit nombre d'appartements en mal de locataires. Quant au phénomène Airbnb, seule la fin des restrictions le fera repartir à la hausse.